Il y a l'endivisio. Ce sont des inscriptions sur la gendarmerie, l'Andivisio dans le dans le Finistère. Là aussi, enquête ouverte évidemment oui, pour bien savoir. Sûr, bien sûr. Alors ce, ce, vous avez l'indivision sur la, les locaux de la brigade territoriale oui. de gendarmerie. De gendarmerie. oui. Vous avez un tag identique qui a été qui a été euh, euh, qui a été inscrit à Lassiotte, non loin de qui était occupé régulièrement par les Gilets jaunes. Et puis vous aviez une personne, vous avez une personne hier qui a Cossade dans le département du Tarn-et-Garonne avait ses slogans sur sa camionnette et il a été interpellé euh, dès hier soir. Voilà, donc ils nous seront intraitables vis-à-vis, -vis, encore une fois, de ces... ces slogans sur abjects. sa camionnette. Oui, oui, un individu qui avait ces slogans Suicide sur sa vous. camionnette avec des petits gilets jaunes, d'ailleurs. Hein, donc, euh, pour signer un petit peu l'origine le, le, de, de ce slogan, je n'accuse personne. Mais voilà, c'est à si, l'occasion de, ces de ces manifestations... Je n'accuse personne, vous accalmez les gilets jaunes. À, les, plus, les, gilets les ultra jaunes, jaunes, en tout cas, si Celui je que dire. nous avons interpellé à Cossade revendiquait apparemment oui. son, son appartenance au mouvement. Je n'accuse personne, mais en tout cas, ces individus-là en particulier, nous les retrouvons